Namaṁ Vishnu Padaya Gauranga Prestayarupini Shivakti Bibhudaya Bhavanatena Namaṁ Vishnu Padaya Gola Prestaya Bhutale Shrimad Bhakti Pramodaya Puri Goswami Tinamine Namaṁ Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Tinamine Namaṁ Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Plagang Keshava Goswami Tinamine Namaṁ Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Lachaka Shiladev Goswami Tinamine Namaṁ Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Siddhanta Sarasvati Tinamine Jai Shri Guru Purnim Ki Jai. Donc aujourd'hui, c'est un jour très important parce que c'est l'apparition, le jour de l'apparition de Srila Vyasadeva. Dans le Srimad Bhagavatam, c'est expliqué. Bienvenue. Dans le Srimad Bhagavatam, c'est expliqué que le Seigneur se manifeste, sa cinquième émanation, c'est en tant que Srila Vyasadeva. Et il vient pour donner les écritures pour les gens de l'âge de Kali. Il vient entre la jonction du troisième et du quatrième âge, du Dwapara Yuga et du Kali Yuga. Et on sait que Srila Vyasadeva était aussi présent pendant les divertissements de Krishna. Jai Shri Nrisimhadeva Bhagavan Ki Srila Bhakta Prahlad Maharaj Ki. Ce jour, c'est le jour aussi où on adore le maître spirituel. Parce que le savoir que donnait Vyasadeva, il a été transmis à travers différentes successions de maîtres à disciples. Parce qu'il a divisé donc le Rig Veda, Samahayu, Atharva Veda. Il a divisé en fait le Veda originel en quatre. Pour que les hommes de cet âge, les femmes, etc., parce que tout le monde n'est Shudra dans cet âge, puissent, par des pratiques, atteindre le but de l'existence. Or, bien que Vyasadeva, c'est l'incarnation du Seigneur suprême, hein, c'est expliqué qu'en Madhvacharya, il a trouvé Vyasadeva, il a été dans les Himalayas. Et à un moment, il est arrivé dans une place où il n'y avait pas de neige, il y avait des fleurs, c'était un endroit paradisiaque où il faisait chaud, au plus haut point de l'Himalaya. En fait, ce n'était pas un endroit matériel. C'est pour ça que l'endroit où se trouve Vyasadeva, ce n'est pas un endroit matériel. C'est un endroit transcendantal situé dans l'Himalaya, où il y a tous les plus grands sages en fait, qui sont là, avec les différents signes des Sampradayas, qui apprennent directement de Vyasadeva, mais on ne peut pas avoir accès, en fait. C'est pour ça qu'on dit que Vyasadeva est encore présent. Et c'est expliqué qu'à cet endroit-là, il a une carnation vraiment extraordinaire. Il a le teint sombre comme Krishna. Il porte une conque et le disque Sudarshan dans ses deux mains. Et il a aussi quelques symboles, comme le bâton de Cornac, par exemple, dans les mains, sur les pieds. Il a des yeux pareils au lotus, une bouche comme un fruit bimba, comme Krishna, un peu rougeâtre, des mains rougeâtres aussi, etc. Il est extrêmement beau, en fait. Et quand Madhvacharya est arrivé dans cet endroit-là, il s'est senti empli d'extase, quoi. Et c'est expliqué que Madhvacharya, c'est comme Bhishma. Et Vyasadeva, c'est comme Krishna. Quand Krishna et Bhishmadev se sont rencontrés, en fait, à ce moment-là. Et donc, quand il a vu Vyasadeva, Madhvacharya, il était pris de symptômes d'extase. Il pleurait parce qu'en fait, il a vu son gourou, quoi. Et un disciple, quand il voit son maître spirituel, il ressent beaucoup d'amour, beaucoup d'abandon. Parce que le gourou, pour le disciple, c'est tout, en fait. Celui qui n'est pas disciple, il ne peut pas comprendre. Quand on dit Om Agnana Timilandasya, Gyanam Jantala, en fait, on reçoit le trésor de la dévotion. On entre dans le monde transcendantal. Donc on vient libérer des trois modes de la nature matérielle. On obtient un corps transcendantal. Il n'y a qu'une personne arrivée à ce niveau-là qui peut comprendre
Qu'est-ce que c'est la relation entre disciple et gourou? C'est pas possible sans ça. Parce que quand on a des attachements matériels, si le gourou nous dit quelque chose, on ne va pas être d'accord. On va commettre gourou apparade. Et on ne fera pas de bhakti dans cette vie. Celui-là qui offense une fois le gourou, c'est fini. À moins d'avoir une attitude, de demander pardon et de se repentir intérieurement, c'est fini. Il n'y a plus d'avancement spirituel. Parce que le principe du gourou, c'est très cher à Krishna. Parce que Krishna vient dans cette forme. Il habite le cœur du gourou. C'est pour ça que Bhakti Ashtaka Shadev Goswami Maharaj disait que la plateforme du gourou, ce n'est pas Jiva Tadva, c'est Guru Tadva. Il incarne deux principes. Il est dévot, mais en même temps, c'est une incarnation du Seigneur. Parce que Krishna se sert de lui pour libérer les êtres. On ne peut pas être engagé dans le service de dévotion sans la miséricorde de gourou. C'est pourquoi on ne doit jamais considérer le maître spirituel comme un être ordinaire. Jamais. Sans ça, c'est fini. Hein? En fait, les Védas expliquent que le gourou et Krishna, c'est un. Le gourou et Krishna, c'est un. C'est pourquoi, sans la miséricorde d'un Vaishnava, on ne peut pas atteindre le service de dévotion. Prahlad Maharaj a expliqué ça. Sans mettre la poussière d'un Vaishnava sur sa tête, c'est impossible d'atteindre le service de dévotion. Donc on doit faire attention avec les rapports avec le maître spirituel. Pourquoi? Parce qu'un Vaishnava, il est expert à cacher sa dévotion. Bon, Kishore Dabaji Maharaj expliquait ça. C'est très difficile de reconnaître un Vaishnava. Il n'y a qu'un pur dévot qui peut reconnaître un pur dévot. Ce n'est pas possible. Vous pouvez prendre quelqu'un qui n'est pas pur pour un pur dévot et quelqu'un qui est un pur dévot pour quelqu'un qui ne vaut rien. C'est impossible de reconnaître. Rappelez-vous l'histoire avec Gadadhar et Mukunda et Pundarik Vidyanidhi. Mukunda, il savait que Gadadhar aimait énormément voir les Vaishnavas. Et tous les deux, ils allaient toujours rencontrer les Vaishnavas en grande extase. Donc c'est des associés du Seigneur. Gadadhar, c'est Shrimati Radharani. Et quand Mukunda a dit à Gadadhar qu'il connaissait un Vaishnava spécial, alors il était très content, Gadadhar. Mais quand il a vu Pundarik Vidyanidhi, quand il est rentré dans cette demeure, déjà la demeure était vraiment luxueuse. Toi. Donc c'était déjà bizarre. Quoi. Parce que les Vaishnavas étaient des gens très pauvres, des mendiants qui chantaient simplement Bhajan. Toi. Mais là, il arrivait déjà dans une demeure super luxueuse, avec une personne habillée comme un prince, avec un turban, avec des serviteurs, avec des crachoirs, avec des noix de bétel, des plateaux, tout ça. Il se faisait vanter et tout. Et là, il n'a pas compris. Quoi. Il a dit, tiens, mais pourquoi Mukunda il m'amène ici quoi. Qu'est-ce que je fais là, toi ? Galada était vraiment perplexe. Quoi. Il avait l'impression d'être tombé dans une perte de temps, quelque part, vous comprenez ? Parfois, ça nous arrive, même nous, à un petit niveau, on va voir des gens, puis on s'ennuie. On se dit, il n'y a rien à se dire. Vous comprenez ? Galada était dans cette situation-là. Il s'est dit, mince, pourquoi Mukunda m'amène ici ? Et Mukunda, les Vaishnavas, ils peuvent lire dans le mental des gens. Quand ils voient leurs yeux, leur face, ils peuvent comprendre qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils sentent. Hein? Et donc, il a compris l'état d'âme de Gadada et il a énoncé un verset. Et ce verset décrit la miséricorde de Krishna. Putana, par exemple. Putana, c'était vraiment une grosse démon. Mais elle s'est déguisée, elle a pris l'apparence d'une femme tellement merveilleuse que les habitants de Vrindavan, quand elle est arrivée, ils se sont tous poussés. Tous poussés. Et ils étaient émerveillés de voir une telle Devi. Émerveillés. Pourtant, c'est les habitants de Vrindavan. Vous savez, les habitants de Vrindavan, ils voient Krishna tous les jours. L'illimité beauté. Donc on ne peut pas imiter, on ne peut pas imaginer par ses pouvoirs mystiques l'apparence qu'elle avait prise. Bien sûr, Putana, c'est dans les divertissements de Krishna, donc les pouvoirs qu'elle a aussi, ils sont en hauteur avec le Seigneur suprême. Donc elle a pris une telle apparence qu'elle ressemblait à la déesse de la fortune. Et elle avait justement une fleur de lotus dans la main. Et même Rohini, même Yashoda, quand ils ont vu Putana, elle jouait si bien son rôle d'affection pour Krishna qu'elles ont laissé la place à Putana pour qu'elle puisse s'occuper de Krishna. Vous vous rendez compte? Elles étaient complètement confiantes. Pourtant, une mère, elle ne laisse jamais son enfant à n'importe qui. Hein? Mais elle avait une idée. C'était de tuer Krishna.
Et quand elle a vu Krishna, elle s'est dit, oh, cet enfant a le pouvoir de créer les mondes. Et pourtant, l'illusion de Putana, bien qu'elle a vu la puissance illimitée du Seigneur, elle s'est quand même dit, je vais le tuer. Donc elle a enduit son sein de poisson et elle a donné la tétée à Krishna. Et mais qu'est-ce qu'a fait Krishna? Quand il a vu arriver Krishna, il a eu un sentiment de colère parce qu'elle avait tué tellement d'enfants. Elle avait été la cause de meurtre de tellement d'enfants. Mais comme elle s'approchait pour lui donner la tétée, il a fermé les yeux. Et comme il devait la tuer, il ne pouvait pas tuer une femme non plus. Donc il a fermé les yeux. Et quand il a aspiré le poison, il a aspiré sa vie avec. Et donc Mukunda, il a cité un shloka qui explique que même si Putana, elle a eu cette conscience, Krishna lui a donné une demeure à côté de Maria Yashoda, une position de nourrice. Vous vous rendez compte? À Golok Vrindavan direct, bien qu'elle a voulu tuer Krishna. Qui peut avoir une telle miséricorde? Quelqu'un peut pardonner. On voit Jésus, il a prié, par exemple, le Seigneur suprême, pardonne-leur. Mais Krishna, lui, il a même donné une position que personne ne peut avoir. Une nourrice, une place de nourrice au pied de Maria Yashoda. Personne ne peut avoir cette position, à part les associés du Seigneur. C'est pour ça que les Védas expliquent que personne ne peut être plus miséricordieux que Krishna. Parce qu'il est le Seigneur suprême, l'origine, personne suprême. Personne ne peut donner. Parce que tout vient de lui. Tout vient de lui. Il maintient tout, il donne tout. Il est l'origine de tout. Et quand Gadadhar, il a écouté ça, alors, et qu'il a vu Pundarik Vidadini, en écoutant ce verset, se transformer complètement, il a réalisé qu'il avait fait une erreur. Donc on peut faire des erreurs, parce qu'on n'a pas la vision. On fait tout le temps des erreurs parce qu'on n'a pas la vision. Mais le résultat, en fait, d'offenser le maître spirituel, c'est qu'on doit souffrir. On doit souffrir terriblement. C'est le résultat, en fait. Parce que le principe du gourou, c'est la personne que Krishna engage pour délivrer les êtres. Donc c'est un être particulièrement qui est cher à Krishna. C'est le principe du gourou Tattva. C'est-à-dire que lui-même, Krishna, se manifeste dans le cœur d'un dévot pour donner sa miséricorde. Et Vyasadeva, donc, est le gourou originel, puisqu'il est une incarnation du Seigneur suprême, venu diviser toutes les écritures, les Védas. Il a donné le Mahabharata. Il a donné les Puranas. Et donc, quand Madhvacharya, il a vu Vyasadeva, automatiquement, comme j'ai expliqué, il est tombé. Il pleurait. Et Vyasadeva l'a relevé et l'a embrassé. Et tous les sages étaient présents. Il lui a mis un siège particulier parce qu'il avait une position spéciale, Madhvacharya. Et il l'a honoré comme un disciple spécial. On sait qu'il lui a donné le savoir. C'est pour ça que Madhvacharya, il fait partie de notre Sampradaya. Vyasadeva, Narada Muni, Madhvacharya. Pourquoi Narada Muni? Quand Vyasadeva, il a divisé les Védas, il a écrit le Mahabharata, il n'était pas satisfait dans son cœur. Et pourtant, Vyasadeva, il avait réalisé le Brahman, il avait enseigné le Brahman à toute la population. La vérité absolue. Mais il n'était pas satisfait dans son cœur. Et Narada Muni est arrivé. Parce que Narada Muni est omniscient. Il a dit comme ça, avec un sourire, bien que tu sois une connaissance illimitée, que tu aies une réalisation illimitée de la vérité absolue, on dirait que tu n'es pas satisfait dans ton âme. Et en fait, Vyasadeva a dit oui. Il a offert ses hommages à son gourou, il lui a offert un siège, il l'a adoré, il lui a dit, toi qui connais toutes choses, révèle-moi la cause de ma frustration. Et la cause, Narada lui a dit, c'est que tu as égaré les gens. Tu as enseigné l'action intéressée. Tu as enseigné la voie de la libération. Mais tu n'as pas enseigné le pur service de dévotion. Tu as fait une erreur. C'est pour ça que tu te sens mal. C'est pourquoi on doit bien comprendre le but de l'existence et enseigner ce but de l'existence. Parce que sans ça, on va égarer les gens si on ne répète pas fidèlement les paroles de la filiation spirituelle. Par exemple, hier, on parlait avec Gopal Prabhu,
Et il m'a fait voir l'affiche de la Bhagavad Gita. Et il avait mis mon nom, commentaire, Bhaktisiddhanta. Je lui ai dit, non, faut enlever ça. Pourquoi? Parce que même si on est un instrument, on ne fait que répéter. Ce n'est pas notre commentaire. Finalement, c'est les paroles des acharyas précédents. On ne connaît rien. On fait juste que répéter. Et c'est pour ça qu'on peut avoir une position, Bhaktivedanta, Swami explique que celui qui répète simplement, il peut devenir un maître spirituel. C'est pas compliqué. Mais il faut rien rajouter. Il faut juste répéter. C'est pour ça qu'on dit Raganuga, ceux qui suivent dans les traces des habitants de Vrindavan. Juste répéter. Juste suivre. Dans ce monde, tout le monde veut être un Muni. Qu'est-ce que c'est un Muni? Un Muni, Muni, ça veut dire sage. Mais dans le sens Muni, c'est ce que chacun fait sa philosophie. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il dit, un bon Muni, c'est celui qui a fait sa philosophie. Mais nous, on n'est pas des Muni. Nous, on répète. Mais avec la dévotion, pas comme un perroquet. Un perroquet, par exemple, il chante, mais il ne comprend pas la signification. Il répète, mais il ne comprend pas la signification. On ne peut pas être des perroquets. On doit étudier pour développer notre relation éternelle avec Radha et Krishna. Bhakti Lashaka Shadev Goswami Maharaj expliquait qu'on peut reconnaître la grandeur d'une personne à son désir. Si on demande à chacun qu'est-ce que tu veux faire plus tard, qui va dire je veux être un associé du Seigneur? Tout le monde va dire ben moi, comme Madhava me dit, moi je veux avoir une place pour faire un bon job avec mes enfants. Ou je veux être anthropologiste, je sais pas quoi. Ou je sais pas. Ou voilà. Personne va me dire je veux être un associé du Seigneur. Comprenez? Mais pourtant, si on développe ce désir, alors on obtiendra tout. Parce que rien ne pourra nous donner la perfection dans ce monde. Vous pourrez avoir un petit bonheur, mais pour combien de souffrances? Rappelons-nous combien de fois on a voulu quelque chose. Combien de fois on a abandonné cette chose en pensant que cette chose nous en rendrait heureux. C'est pas une fois, c'est des milliers, milliers, milliers de fois. Mais on recommence toujours. Pourquoi? Parce qu'on veut être comme un Muni. On veut faire notre propre philosophie et on veut être sûr qu'on ne sera pas comme les autres, qu'on ne sera pas dérouté par l'énergie matérielle. Et c'est impossible. La conclusion sera la même. Prahlad Maharaj, il dit, c'est comme vomir et remanger son propre vomi. Ça veut dire cette mauvaise expérience, on la refera tout le temps. Parce que c'est la nature de ce monde. Mais un jour, on pourra comprendre la leçon et devenir un disciple. Ça veut dire répéter, ne plus devenir quelqu'un qui fait sa propre conception, mais suivre la conception de Vyasadeva. Or, Narada Muni lui a dit, ce que tu as fait, ce n'est pas bon, c'est condamnable. Parce que comme tu as cette position spéciale, les gens vont penser qu'en suivant ton exemple, ils atteindront le but de l'existence, alors que c'est faux. Alors, on peut se dire, mais Vyasadeva, alors il a vraiment triché. Non, c'est parce que différentes personnes ont différentes qualifications. Il fallait bien engager tout le monde pour qu'il progresse. Donc Krishna fait ce divertissement. Et Narada Muni est arrivé pour qu'il donne plus. Il donne le pur service de dévotion. Et là, il lui a dit, maintenant, tu as négligé. Tu as mis au même niveau l'action intéressée et la voie de la connaissance et la dévotion. Maintenant, traite de la dévotion. Et explique son aspect ultime et supérieur à toutes. Et donc de là, le Bhagavatam est apparu. Alors le Bhagavatam, c'est expliqué, c'est comme le soleil. L'âge de Kali, c'est comme les ténèbres. Mais le Bhagavatam, c'est comme le soleil. Or, Vyasadeva est apparu pour permettre à l'âge de Kali d'être chassé. C'est expliqué que aucune écriture à part le Bhagavatam n'a le pouvoir de réformer le cœur des êtres. Dans cet âge, les gens n'ont aucun goût pour la vie spirituelle. Quand ils viennent écouter, ils se demandent même qu'est-ce que je viens faire là, des fois. Ils n'ont même pas envie de venir. Ils viennent parce qu'il y a une petite sukriti, même parfois, qu'ils sont obligés d'y aller. Mais il suffirait qu'ils fassent une petite offense ou deux pour que même ça s'arrête. Les gens sont totalement perturbés par des problèmes. C'est l'âge de querelle. Il y a la querelle chez eux, il y a la querelle à l'intérieur, il y a la querelle partout. Ils ont des maladies tout le temps. Le temps, il est toujours déréglé dans cet âge.
Et surtout, ils ont une courte naissance. La vie, elle passe tellement vite. Vous verrez vos pères, vos mères partir tellement vite. Et vous pleurez et sans penser que vous allez aussi partir. Quand Dharmaraj a demandé à Yudhishthir qu'est-ce qu'il y a de plus inconcevable, il a dit bien que tout le monde voit tout le monde mourir, personne ne pense qu'il va mourir. Pourtant, c'est idiot. On nous reste peut-être 30 ans, 40 ans à vivre, et peut-être même pas. Parce que, en fait, le karma, quelqu'un doit vivre en temps de respiration. C'est pour ça qu'un yogi qui ralentit sa respiration, il peut allonger sa vie. C'est le principe. Et pour avoir plus de temps pour méditer. La durée de la vie est comptée en nombre de respirations pour chacun. Et selon nos actes passés, on a un temps à vivre avec ce corps. Et pourtant, bien que c'est, on va devoir le quitter, on fait des plans pour ce corps et pas pour se libérer de cette emprise. Ça, c'est ce qu'on appelle Maya, l'illusion matérielle. C'est très puissant. Extrêmement puissant. Donc Vyasadev, par miséricorde, il a donné toutes ces écritures-là. C'est pour ça qu'il est à nous tous notre gourou. La Bhagavad Gita, c'est lui qui l'a visionné. Il a visionné Sanjay aussi a pu le voir. Dhritarashtra aussi. Arjuna, Krishna bien sûr. Mais Vyasadev. Hein. Et Vyasadev, donc c'est dans le Mahabharata, Bhishma Parva, la section Bhishma Parva, et il a engagé Ganesh. Mais Ganesh, il a accepté d'être le scribe de Vyasadev à une seule condition, qu'il ne s'arrête pas. Donc ils ont énoncé le Mahabharata d'un trait. Et Ganesh, il a pu retranscrire parfaitement les paroles de Vyasadev. Alors on peut se dire, mais comment c'est possible ? C'est possible pour quelqu'un qui est mis en pouvoir par le Seigneur suprême. Celui qui est mis en pouvoir par le Seigneur suprême, même s'il est le pire des êtres, il peut écrire des livres, il peut faire de la poésie. Même un kudjat, c'est expliqué par la miséricorde. Il peut gravir des montagnes par la miséricorde du maître spirituel. C'est pourquoi, si simplement on accepte ces écritures et qu'on suit dans les traces des acharyas, des âmes libérées, alors on obtiendra aussi ce fruit. Les âmes libérées, ils ne font pas des plans pour ce monde. Ils font des plans pour rendre Krishna heureux. Peu importe, ça peut être à travers leur famille. Mais ils ont compris que l'attachement à l'illusion, aux maris, aux femmes, aux richesses, tout ça, c'est simplement une cause de souffrance. Personne ne souffre pas quand il est attaché. Ça n'existe pas. Même dans la religion bouddhiste, dans toutes les religions, c'est expliqué. L'attachement est la cause première de la souffrance. Parce que quand vous êtes attaché à des gens imparfaits, vous devez souffrir. Parce que tout ce qui se passera, ça sera une source de conflit, ce n'est pas l'harmonie. Ça ne peut pas être l'harmonie. Donc c'est pourquoi on doit faire notre devoir dans la vie de famille. Par exemple, ici, moi aussi, j'ai une famille. Donc, je dois faire mon devoir. Je suis dans la même situation que vous. C'est la même. Pensez pas que c'est différent. Celui qui a la position, par exemple, d'instructeur, c'est comme un père. Les autres sont comme des fils. C'est la même chose. Quand vous faites des bêtises, on est relié de la même façon. Ou quand vous faites des choses bien, on est relié de la même façon. Mais c'est dans l'art d'accepter cette position. Si on est attaché, alors on souffre terriblement. On peut avoir des souffrances, mais terribles. C'est pourquoi quelqu'un qui est intelligent, qui reçoit l'intelligence du Seigneur suprême, il accepte cette position pour servir le Seigneur suprême, pour satisfaire le Seigneur suprême, en comprenant que tout ça, ça disparaîtra. Automatiquement, s'il agit comme ça, il obtient le détachement et Krishna se révèle à lui.
Or, dans un second temps, comme il a reçu toute cette miséricorde grâce aussi à des êtres, tout le monde fait partie du principe de Sri Guru. Mais celui qui ne vit pas comme ça, alors, je ne sais même pas s'il peut rester un dévot toute sa vie. Ce sera difficile. Parce que comme il ne sera pas satisfait dans sa demeure, il cherchera naturellement une autre femme ou ceci, cela. C'est le principe. Quand vous êtes attaché à quelque chose qui est imparfait, à un moment, il y a la déception. Ça ne peut pas être autrement. Parce que vous attendez quelque chose que quelqu'un ne pourra pas vous donner. Il y aura une déception, c'est normal. Par contre, si vous êtes détaché, vous ne serez jamais frustré. Jamais mécontent. Parce que comme vous ferez les choses pour Krishna, vous serez toujours satisfait. C'est scientifique et logique. Pourquoi il y a tant de divorces dans le Vaishnavisme? Parce que personne ne fait ça. Tout le monde se marie pour être heureux et se gratifier les sens. Et on obtient tout le contraire. Donc, les grands sages étaient aussi mariés. Mais ils nous ont enseigné que la vraie vie de famille, c'est de s'engager les uns et les autres dans l'adoration du Seigneur suprême. Et c'est pour ça que Vyasadeva a divisé les Védas pour engager les gens dans les actes de sacrifice. Parce que la dévotion, c'est un acte de sacrifice. Sacrifice, ça veut dire quoi? Ben, au lieu de faire quelque chose que je voulais, je fais cette chose pour le Seigneur suprême. Vous comprenez? C'est pourquoi, quand vous n'avez pas envie de faire quelque chose, mais si vous le faites pour le Seigneur suprême, vous verrez la joie viendra dans votre cœur. Malheureusement, quand on a envie de faire quelque chose, souvent, on n'a pas envie d'amener Krishna avec nous. Quand on n'a pas envie, on y pense. C'est normal. Ah, j'ai pas envie. Mais il faut que je le fasse quand même. Bah, je vais le faire pour Krishna, au moins, j'aurai une récompense. Mais si on a envie, hop, on est emporté. Et puis, on peut être emporté très loin, même, dans une véritable galère. Et là, on se dit, oh, pardonne-moi, Seigneur. Là, je suis dans une galère. Aide-moi maintenant. On fait que ça, et après on retourne à une. J'ai fait une erreur, aide-moi. Personne n'a fait ça ici? Levez la main. Madhava, je suis sûr qu'il n'a jamais fait ça, lui. Tout le monde en a fait ça. Combien de fois? Des milliers, des milliers de fois. Vous comprenez? Mais on peut se dire, mais je suis un idiot. L'âme conditionnée, elle agit par la force des modes de la nature matérielle. L'âme, elle n'est pas idiote. Mais c'est simplement qu'à un moment ou à un autre, on pourra avoir la force d'arrêter, de faire ce bain des éléphants. C'est d'adorer Krishna et puis de se remettre dans la poussière. D'adorer Krishna, de se remettre dans la poussière. Vous savez, un éléphant, il passe des heures à se laver. Il sort, il se roule dans la poussière. C'est complètement idiot. Vous comprenez? Passer des heures à se laver pour se rouler dans la poussière. Mais en fait, parfois, on fait des années d'austérité. On peut être Vaishnava, faire des années d'austérité, et pour un petit regard, paf, on délaisse tout. On se roule dans la poussière. Or, quand vous vous roulez dans la poussière, bah, il y a ce Krishna qui est là et vous avez cette intelligence qui dit, mais pourquoi j'ai fait ça? Vous comprenez? Moi, ça m'est arrivé, par exemple, quand j'étais jeune, de me retrouver dans les circonstances où j'étais embarqué par la police, où j'allais faire des années de prison, quoi. Et dans ce moment-là, vous pensez, vous dites, mais mince, j'ai pas assuré, qu'est-ce que j'ai fait? Et là, c'est le trip, quoi. Et pourtant, une fois que vous êtes relâché, vous recommencez. Et bien, de la même manière, matériellement, c'est possible. Spirituellement, c'est aussi possible. C'est-à-dire qu'on fait toujours la même chose. Et Krishna vient toujours nous aider. La preuve, c'est qu'on est encore là. Krishna vient nous aider. Et c'est ça la miséricorde. Et souvent, Krishna vient nous aider sous la forme du gourou, parce que quand ça ne va vraiment pas, moi j'ai expérimenté ça aussi. Krishna nous met dans des situations pour nous faire voir la suprématie du maître spirituel. Et quand on est testé par Krishna, parce qu'on s'est mal comporté, alors le seul refuge, c'est le gourou. Si le gourou nous délivre, alors Krishna nous délivre. Même si Krishna décide de nous punir, si le gourou est miséricordieux, Krishna lèvera en fait les choses.
C'est pour ça que tout disciple a eu cette expérience. Et de toute façon, l'expérience viendra. Que la last limite, c'est le gourou. Et qu'il y a un pouvoir, en fait, qui est là, de donner le refuge et de pardonner. C'est très puissant. Hein? Seul le Seigneur suprême et son pion dévot peuvent pardonner. Personne ne peut faire ça. Mais comme Krishna est dominé par son dévot, quand le dévot désire quelque chose et qu'il prie pour nous, alors Krishna donne. Mais c'est rare qu'un dévot prie. Parce qu'il faut vraiment que le disciple soit sincère. C'est pas si simple qu'un pur dévot prie pour nous. Pourquoi il irait déranger Radha et Krishna? Pour des gens qui sont dans la duplicité, qui ne veulent pas le service de dévotion. C'est rare. C'est extrêmement rare qu'un pur dévot. Mais s'il prie pour nous, alors c'est la bonne fortune. Parce que directement, le couple divin hein, peuvent intercéder. Et qu'est-ce que c'est pour eux de délivrer une petite âme? C'est rien. Mais en fait, le gourou, il ne prie pas pour qu'un disciple il ait une machine à laver. Ou qu'il aille mieux pour recommencer encore. Il prie pour qu'il obtienne le service de dévotion. Donc, voilà, c'est un vaste programme. Hein, et il faut un jour, comment dire, devenir des bons disciples. Ça viendra. Hein. Fanny Bhushan Prabhu. Ouh là là, les questions de Fanny Bhushan Prabhu. Qui peut y répondre? Il faut prier Vyasadeva. Donc, quel est le facteur déterminant qui fait qu'un jour le disciple il peut saisir les instructions, la position du maître spirituel, les instructions du maître spirituel et l'en faire l'âme de sa vie, quoi. Ouais, c'est plus ou moins la question. J'ai un peu transformé. Excusez-moi, Fanny Bhushan Prabhu. Tout ça, c'est la miséricorde de Krishna dans le cœur. C'est impossible pour une âme conditionnée de voir la position du maître spirituel, de réaliser l'importance des instructions d'un gourou. À moins d'avoir pratiqué dans des vies et des vies passées, c'est impossible. Mais parfois, le pur dévot est tellement miséricordieux que, comme Shivananda Sen qui s'en était pris d'affection pour un chien, c'est très bas, un chien en Inde, vous avez été tous en Inde, presque, pas tous, mais vous voyez la condition d'un chien. C'est pas comme ici où il mange au restaurant. Hein. C'est vraiment bas le chien. C'est vraiment, il prend des cailloux, tu vois, c'est le truc. Tu vois, ils vivent dehors en meute, quoi. Hein. Et c'est vraiment bas, quoi, un chien. Ils sont mangés de partout parce qu'ils se mordent, tout ça. C'est vraiment, ils ont des têtes. Des fois, t'as plus qu'un morceau de museau. Ou, ah, t'es vraiment spécial, hein, les chiens. C'est plein de puces, tu vois. Hein. Et donc, Shivananda Sen, c'était pris d'affection, compassion pour un chien. Et ça l'a amené à avoir la miséricorde suite à la Mahaprabhu. Au point que le chien, il chantait le Mahamantra de Krishna. Il était devenu une âme réalisée dans le corps d'un chien. Si un gourou se prend d'affection pour nous, parce que c'est une miséricorde, on ne peut pas expliquer pourquoi, alors on obtient toute la grâce de Krishna. Et à partir de là, on peut comprendre vraiment le pouvoir des instructions du gourou. C'est dur. Moi-même, mon gourou Dev, il m'a dit maintiens la mission. 3 fois. Je médite que ça. Je médite que là-dessus. Mais c'est tellement dur. Depuis qu'il m'a dit ça, c'est de plus en plus dur. C'est de plus en plus dur. Les dévots ont plus de problèmes. Ceci, il y a ceci. Ça ne s'arrête pas d'augmenter. C'est un jour, Hanuman. Ram, il lui a donné comme service de claquer des doigts quand il baillait. Alors il se dit, bon, c'est pas un grand service quand même. S'il se dit, il va s'ennuyer, tu vois. Et puis il attendait comme ça. Puis d'un seul coup. Ram, mystiquement, Ram, il baillait tout le temps. Il était complètement absorbé à claquer des doigts. Bah, de la même manière. Quand le gourou nous donne une instruction, et s'il nous donne la miséricorde, alors cette instruction ne sera pas si facile que ça. Parce que dedans, il y aura tout l'abandon.
Il y aura toute la purification et il y aura l'atteinte du monde transcendantal. C'est pourquoi, à moins d'avoir une miséricorde spéciale, en fait, c'est quelque chose de mystique. Ce n'est pas possible par quelque chose de matériel. Si quelqu'un qui a beaucoup de Sukriti des vies d'avant, qui était déjà un pur dévot, là, il n'y a pas de problème. Mais pour nous qui sommes des âmes ordinaires, il faut une kripa, une miséricorde spéciale. Et cette miséricorde-là, elle est disponible. Pas pour quelqu'un qui a un bon look, qui est habillé, qui a pris sannyas, forcément. Pas pour quelqu'un qui parle parfaitement. Pas pour quelqu'un qui n'a pas de défaut. Mais ça peut venir même un chien. C'est pour ça que Bhaktivinoda Thakur, il dit, j'aspire même à devenir un chien, moi. Vu la miséricorde que le chien il a eue. Ça veut dire que cette miséricorde-là, elle peut tomber sur tout le monde. C'est pourquoi, comment dire, on doit véritablement prier, hein, la Kripa Shakti de Krishna, l'énergie de miséricorde de Krishna, parce qu'elle est une personne aussi. Et elle peut venir sur nous. Mais à moins que la miséricorde d'un Vaishnav, son regard miséricordieux, hein, ses paroles miséricordieuses rentrent en nous, voilà. Donc la miséricorde de Krishna et son dévot s'allient pour nous libérer. Mais bon, théoriquement, c'est l'accumulation de Sukriti. Ça veut dire que quand on est engagé vie après vie dans le service de dévotion, un jour, alors on peut comprendre la profondeur des instructions et la position des Vaishnavas. Théoriquement, c'est une accumulation de Sukriti. Mais il y a aussi la miséricorde Bhakti Devi, parce qu'elle est indépendante. Je vais à Charitakur, explique. Quand on prend l'association des purs dévots, cette dévotion qu'ils ont dans leur cœur, elle peut rentrer dans notre cœur. Il dit, Vishvanatha Thakur, il dit même un cœur super concupiscent. Quand Vishvanatha dit ça, c'est vraiment concupiscent. Quelqu'un qui pense qu'aux femmes, aux hommes. Hein. Vraiment, toi le truc, vraiment. L'homme de, comme ils appellent, l'homme de Cro-Magnon. Et ben même une personne comme ça, la bhakti peut rentrer dans son cœur et faire tout disparaître, en fait. Donc c'est pourquoi. Il n'y a pas de règle. Cette question-là, je vais répondre qu'il n'y a pas de règle. Parce que Krishna n'est pas dépendant des règles. La dévotion n'est pas dépendante des règles. Sans ça, ils seraient pas absolus. C'est pour ça que ce n'est pas possible de répondre. On peut répondre d'une certaine manière, mais on peut contredire la chose d'une certaine manière. C'est pour ça que c'est inconcevable. À la fois, c'est une qualification, et à la fois, ce n'est pas forcément une qualification. C'est pour ça que tout le monde peut recevoir. Mais quand même, un détail nous est donné. C'est que cette miséricorde, tout le monde peut la recevoir, mais il faut la désirer. Or, quelqu'un, il peut être même une prostituée et désirer être sauvé par le Seigneur suprême. Quelqu'un peut être, voilà, travailler. Quelqu'un peut être renoncé et pas vouloir cette miséricorde, être juste satisfait en étant dans un temple et pas trop souffrir, vous comprenez? Quelqu'un peut souffrir, par exemple, travailler, avoir du mal avec sa femme, ses enfants, tout ça, et pourtant vouloir la miséricorde. Donc, il n'y a pas de règle. C'est difficile vraiment à comprendre, hein. Cette histoire du cordonnier et de l'ascétique. Et il faisait tellement d'austérité, etc., depuis des années, des années, des années. Il a vu Narada Muni, tu vois. Et voilà, lui, il se sentait tellement avancé. Et le cordonnier, lui, il se sentait tellement déçu, parce qu'il travaillait le cuir. Et le cuir, c'est pas considéré comme un métier élevé, quoi. Mais bas, quoi. Et lui, il pensait qu'il n'avait rien compris, qu'il n'avait pas de désir, etc. Et pourtant, Narada Muni lui a dit que lui, il serait délivré et pas l'autre. Donc, ce n'est pas une question de miséricorde, c'est une question de désir. L'humilité nous permet de comprendre les instructions du gourou, mais pas l'orgueil. Or, l'orgueil, c'est le job du maître spirituel. Le maître spirituel chassera l'orgueil du disciple. C'est expliqué que le gourou, c'est comme un lion. Quand il parle, c'est comme un lion qui fait fuir les éléphants.
les mauvaises choses du cœur. Il y a toujours quelque chose qui se passe dans la présence du maître spirituel. Et graduellement, graduellement, l'orgueil va diminuer. Si ce n'est pas dans cette vie, ce sera dans l'autre vie. Si ce n'est pas dans l'autre vie, ce sera encore dans une autre vie. Mais un jour, tous atteindront la miséricorde. Mais on peut quand même comprendre si on obtient la miséricorde ou pas en voyant notre désir dans le cœur. Parce que le désir, c'est ce qui fait la manière qu'on va écouter, la manière qu'on va servir, la vision du gourou, le respect qu'on a pour le gourou. Vous comprenez? Si le désir de devenir un associé du Seigneur n'est pas dans notre cœur, on ne pourra pas avoir une vision. On se mettra en colère même contre le gourou parce qu'on n'a pas eu ce qu'on voulait. Parce qu'on pensera même qu'il a gâché notre vie alors qu'on aurait pu obtenir la prima bhakti. Donc c'est pas évident. C'est compliqué comme réponse. Extrêmement compliqué. On peut comprendre une chose quand même. C'est que il y a la miséricorde, bien sûr. Mais cette miséricorde, elle entraîne après la bonne attitude. Elle entraîne la bonne compréhension. Elle entraîne le remords, le repentir. Et elle permet de recevoir l'intelligence spirituelle et de changer notre vie. Il y a plein de gens qui disent « Moi, j'aime le gourou. » Mais aimer, ça veut dire suivre les instructions. Par exemple, moi, j'ai vu dans ma vie plein de gens qui disaient, par exemple, « Ah, mon gourou, c'est Bhaktivedanta Swami Prabhupada ou Puri Maharaj, peu importe. » Mais ils ne suivaient pas les principes. Ils criaient toujours les noms, leurs noms. Tout le temps, des fanatiques, en disant les autres, c'est pas vrai, nous, c'est les meilleurs. Mais ils ne suivaient même pas les principes. Régulateurs. Or, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il dit, en fait, mon disciple, c'est celui qui suit mes instructions. Vous comprenez? C'est pourquoi ceux qui suivent les instructions, ils ne critiquent pas. C'est toujours ceux qui suivent pas qui critiquent. Moi, c'est ce que j'ai pu voir. Parce que celui qui suit, il devient humble. Il voit des gourous partout. Que celui qui suit pas, il glorifie le gourou pour se glorifier lui-même. Mais il suit pas, en fait. C'est pour ça que si on suit dans les traces de nos maîtres spirituels, automatiquement, la bonne attitude viendra. Si, et quand la bonne attitude vient... Et qu'on suit les instructions, on comprend que cette instruction, elle nous purifie. Elle comprend que cette instruction nous permet d'être protégé de l'énergie matérielle. On se détache du monde matériel. On obtient Krishna. C'est le principe. Il faut avoir foi dans les instructions du gourou. Bhaktivedanta Swami Prabhupada dit l'orgueil du disciple, c'est de porter les instructions sur sa tête. Il en est la personnification. Parce que Bhaktisiddhanta désirait prêcher, il est venu prêcher, par exemple. Donc lui, on peut dire, oui, c'est un véritable disciple parce qu'il a porté les instructions et ils ont été réalisés. Et il a souffert pour le faire. Il a été testé. Donc on peut dire, oui. Hein? Donc voilà, ce jour, c'est un jour qu'on relie notre relation avec le maître spirituel aussi. Hein? C'est important. Et on repart correctement sur la voie. Merci beaucoup.